Osée, chapitre 14. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie aux froments, et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont.